Un beau brin m'a attaché les mains et m'a scotché la bouche pour que je ne fasse pas de bruit. Mais je ne m'attendais pas à quelque chose de chaud. Il s'est avéré que le bel homme était un terroriste. Ma vie entière a été construite autour de ma carrière. Je vivais dans des avions et des chambres d'hôtel. Et je prenais habituellement des somnifères avant chaque vol pour pouvoir me reposer. Cependant, ce jour-là, mon rituel a été brisé par un charmant inconnu. Nous devrions fêter notre rencontre avec du champagne. Une fois que nous avons atterri, j'ai invité Jake à monter dans ma chambre. Nous avons passé la nuit ensemble et vidé tout le bar. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, il n'était pas là. Un coup d'un soir, hein? Je suis tellement fatiguée de tout ça. Je suis allée dans la salle de bain pour me démaquiller, mais j'ai trouvé Jack à l'intérieur. Tu t'es réveillée au mauvais moment. Il attachait une sorte d'appareil au siège des toilettes. Il ne voulait pas être avec moi. Il avait besoin de ma chambre d'hôtel. Un membre du Congrès va bientôt occuper la chambre voisine. C'est lui ma cible. Tu n'es qu'un dommage collatéral. Je ne pouvais pas accepter le fait que la mort vienne me chercher d'une manière aussi stupide. Loin de chez moi et de tout ce que j'aime. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Mes mains étaient liées. Et la cible du criminel était déjà à l'hôtel. Monsieur le député, votre chambre est presque prête. Pouvez-vous dire à la femme de chambre de se dépêcher ? Notre enfant n'a pas dormi du tout en venant ici. Il est très fatigué. Je me suis souvenue qu'il y avait une bouteille d'eau avec des somnifères dedans, dans mon sac à dos. Alors, j'ai éteint l'air conditionné pour que Jack ait soif. Il fait si chaud ici. Mais je n'ai pas pris en compte le fait qu'il y avait un verre d'eau sur le meuble. Quand Jack l'a attrapé, j'ai dû improviser. Tu es folle. Alors, tu veux t'attirer des ennuis? Jack a essayé de me frapper, mais n'a pas réussi. Il a alors vu la bouteille, l'a prise dans le sac à dos et l'a bu. Je priais pour que l'énorme dose de somnifère agisse vite. Car le député entrait déjà dans la chambre d'à côté. Chérie, va faire des courses. Je m'occupe de coucher le petit. Nous étions tous en danger. Tout va exploser dans 10 minutes. Ce sera ton dernier voyage. Tu en as assez fait. Au revoir. Finalement, Jake a commencé à avoir sommeil. Les comprimés avaient fonctionné. Dès qu'il m'a tourné le dos, je l'ai frappé de toutes mes forces. Heureusement, j'ai réussi à me libérer et à prévenir les autres personnes de l'hôtel. Je connaissais ces couloirs comme ma poche. J'ai donc réussi à faire évacuer tout le monde. Mais Jake était toujours à l'intérieur. Après cette pagaille, j'ai choisi un autre secteur de travail. Maintenant, je ne me donne plus autant pour ma carrière. Et je ne passe plus mes nuits dans des avions ou des hôtels. J'ai une relation solide et stable et mon propre foyer. N'oubliez pas, la famille est la chose la plus importante au monde. Une carrière ne vous attendra pas à la maison. Le succès ne vous enlacera pas la nuit. Et l'argent, eh bien, il n'essuiera pas vos larmes.